Salut à tous, c'est Zorator. Assieds-toi. Pour la suite de God of War sur PS4. Du vin lemnien, de l'île de Lemnos, près de l'endroit où je suis né. Quoi? Il lui fait boire? Mais qu'est-ce que... Lemnos. À la fin d'un voyage. Vraiment? Ça sent l'œuf pourri. Il est encore bon? Probablement. Le mec, il a 12 ans. Je sais pas quel âge il a, mais... Je suis pas sûr qu'il ait l'âge légal, voyez-vous. Père, pourquoi quitter ta terre natale pour venir ici? Est-ce que ça a un rapport avec les dieux de là-bas? C'est juste que... Tu détestes tellement les dieux. Mais... Tirer la preuve qu'ils peuvent être bons. Comme toi. Tu ne tues que ceux qu'ils méritent, n'est-ce pas? Oui. Ah, mais qui est assez digne pour en juger? Tais-toi à la tête. Nous, on l'est. Car on est sages. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que... Le gamin, il prend trop la grossette, là. Ton père. Prêt? Prêt. Et il est où? Il est en Suisse, là? Je sais pas, il y a des montagnes. Je la neige. Ça va me plaire d'être un dieu. La verdure. Ça me fait penser à la Suisse. On va savoir pourquoi. Du coup, la rune noire, c'est fait. Prochaine étape. Qu'est-ce donc? On va où on veut, on fait tout ce qu'on veut, et maintenant, on va rendre visite aux géants. Oui, maintenant qu'on connaît la rune qui mène à Jotunheim. On peut retourner à la porte sur le pic et utiliser le burin magique. Personne ne nous arrêtera cette fois. En avant! Non mais il prend trop la confiance et je trouve ça bizarre que Kratos le recadre pas un peu là-dessus. Je trouve ça assez... ouais. Assez étrange. Attends, par contre, on peut peut-être pas... Attends, quoi? 600 mètres, Rally. On aurait pas pu stepper là? Ça me paraît bien loin tout ça. À la prochaine. Ouais, on pourrait cacher notre vraie nature. C'est dingue qu'il garde des secrets. Pourquoi pas être honnête, comme Tyr? Tyr aussi avait des secrets. Et il avait de bonnes raisons. Il protégeait les gens. C'est plus sage de rester discret. Ça veut pas dire qu'il faut mentir à ses amis et à sa famille. Je suis sûr que Sindri comprendrait qu'il ferait pareil, petit. Ne t'inquiète. Ne t'inquiète pas. Alors, petit, tu es impatient de découvrir la terre des géants? Oui, mais je suis triste que le voyage se termine. Et si on arrivait à Jotunheim, mais qu'il n'y avait pas de géants là-bas non plus? Ça ne change rien pour nous. La seule chose qui compte est d'exaucer le vœu de ta mère. Ah! Ne bougez pas! J'arrive dans deux secondes. Merde, je peux lui dire? Non. Mais dire quoi? Tu as mis ces trous dans ta bouche? Oh, je vais vomir. Je rigole pas, je vais vomir. Mais... Ce n'est rien. Une histoire de famille. Oh. Oh. J'en connais un rayon sur les histoires de famille. Laisse-moi deviner. Ton frère n'est pas aussi doué que toi, et son travail ne vaut rien. C'est tout à fait ça. Et... Tu parles que de ça à chaque fois qu'on te voit. Essaie d'y faire quelque chose, ou sinon, tais-toi! Je vois. Oui! On en a marre d'écouter les lamentations de gens insignifiants! Mais wesh!
Mais que lui mette une baffe. Qu'est-ce que c'est que ça là? Je vais examiner ton équipement. Putain, si au bout d'une demi-heure il a appris qu'il est à moitié dieu, il devient aussi. C'est comment dire? Pas prétentieux, mais. Tête à claque. Mon dieu. Du coup, ouais, salut JL. Pleure pas, le mec va pleurer. Alors attends, du coup on peut améliorer les lames du chaos, on a dit, hop. Nickel. Protection de la taille. Je vais essayer de me crafter une nouvelle armure pour le torse. Voir si ça vaut le coup, en l'améliorant. Par contre non, on voit plus cet été là, wesh, même là, je vois pas cet été, il a mis des bandes en cuir dessus. Monsieur, go te déshabiller, je sais pas. Le mec nous vend pas du rêve. Choqué, déçu. Ça on peut l'améliorer. Allez hop, on fait. Bim. Allez hop. Vamos. Je sais pas par où, mais vamos. Du coup, ouais, il s'est énervé, il. Il y a du tonnerre maintenant. Bonsoir, on l'agresse. Arrête Acide, c'est vilain de parler comme ça. Je vais le dire. Attends, le poison est revenu, mais qu'est-ce que. Ouais, par derrière, ouais. Bonjour monsieur. D'accord, donc il m'a jeté la pierre dessus, mais j'ai quand même esquivé. What the fuck is that shit? Je vais tester la R2, elle a l'air d'être très efficace en dégâts. Voilà, j'ai vu des gens. Le Reiki. Et répète ta bouche. Mais oui, la dernière fois qu'on est venu là, il faisait beau, c'était ensoleillé, là c'est horrible. On voit presque plus rien. Là. Pourquoi as-tu parlé aux nains sur ce ton? T'en as pas marre de les entendre se plaindre tous les deux? Si, mais faire de lui notre ennemi n'arrangera rien. Il doit connaître la vérité, même si ça le blesse. C'était inutile et cruel. La vérité est plus importante que la bonté. Ta mère ne serait pas d'accord. C'était pas une déesse. Mais... C'est quoi cette remarque? C'était pas une DS. Mais nique ta... Putain, mais wesh. C'est quoi cette remarque sur ta mère? Il est en train de me choquer, hein. Ça, si c'est ça, exactement, c'est exactement ça. Mais wesh, on doit rajouter un peu de portée là. Et les ennemis qui pop à ce moment là, bah oui, bah, bien sûr. Ouais, c'est. Ah, si, sur les ennemis basiques, ça fait bien mal quand même. Mind. En dehors de désintégration. Bon, ça me plaît pas, hein, vraiment, hein, comment il est en train de changer là. Non. Tant, pourtant ça a rien changé, c'est juste que tu sais que t'es à moitié dieu. Après ce que tu viens de dire sur elle, j'en doute. Elle était meilleure qu'une déesse. Et je ne te laisserai pas lui manquer de respect. Très bien. T'as qu'à la porter. Tu n'as qu'à la porter, mais... Oh. J'ai envie de le riquer. J'ai pépé de lui. Bon, on va rester là-dessus. Sale camin.
13 000 à améliorer. Invoque deux loups supplémentaires. Oh my god, ça coûte cher, mais bon. C'est pété. Ah oui, attends, il y avait les compétences aussi. Nouveau rang des... Oui, oui. Maintenez R1. Attends, fais voir. Tu maintiens R1, d'accord, ça envoie une espèce de décharge. Augmente la portée, nickel. Tu peux charger le R2 visé, très bien. Ok. Sprint R2. Ok. Bon, c'est les mêmes moves qu'avec la hache, hein, grossièrement. Lui, on avait tout débloqué, nickel. La posture alternative, on l'améliore. Oh putain, des kamikazes. Et des motos dehors. Génial. Mais calmez-vous! Enfin, je pense que c'est des kamikazes, hein, comme ils courent comme des... starbés là. Ah, bonjour. Enfin, ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont à côté de moi, ils courent, mais j'ai... What the fuck. Hein. Oh, mollet, hein. Donc là, il y a 4 loups, c'est ça? Oh putain, je comprends pas mal ce qui se passe. My God. Ouh! Tout est calme. Ouais, au début ça allait, après je me suis laissé un peu submerger, je les ai pas verrouillés par derrière. Ils sont arrivés à je sais pas combien là. Pourquoi nous avoir dit qu'Odin essayait de nous suivre à Jotunheim avant qu'on y arrive? Ça paraît pas plus logique de penser qu'ils veulent nous tuer parce qu'on est des dieux et qu'on représente une menace? C'est une possibilité, mais le raisonnement d'Odin est subtil, et sa volonté est... Ne parle plus d'Odin et de sa famille d'imbécile. Mais... Non mais c'est pas... Attends, on passe d'un gamin intelligent et adorable à un fils de lâche prétentieux que t'as envie de baffer. What the fuck? Il veut lui apprendre la vie, Kratos, là, non? Ah bah tiens. Ils ont même fait de mettre des ennemis, j'avais oublié qu'il y avait un coffre ici. Voilà, donc ça envoie une décharge, nickel. Aïe! Il y avait aussi ça là. D'accord. Tchoulou! Mais. C'est insupportable! Parce que Kratos c'est dur, mais voilà, il va pas être désagréable comme ça, alors que lui, là, il est en train de devenir aigri. Enfin, je sais pas comment... J'arrive pas à trouver le bon terme, en fait. Prétentieux, aigri, ouais, je sais pas. Un gros caca, voilà, c'est un gros caca. Toi aussi, t'es un dieu, ouais, d'accord. Si c'est pour la jouer comme Atreus, c'est pas la peine, hein. Donc ça c'est pour revenir, ok. Alors je vois qu'il y a un caillou rouge. Donc il y a un truc qu'on n'a pas fait péter. Peut-être qu'on n'avait pas l'arc de foudre à l'époque. Orage des suce-boules. Je vais pas me dire que ça fait pas du bien parfois. Ça n'a rien débloqué. J'ai pas compris. Maman et toi, vous m'avez toujours dit que les dieux étaient mauvais. Mais pas nous, ni Tyr, ni Freya. Mais les dieux As sont malveillants, eux. Et tu sais quoi? Odin a raison. On est une menace, parce qu'on sait ce qu'ils sont et qu'on peut les battre. Eh bien, pas tous. Pas encore. Magni a essayé de nous arrêter et il est mort. Ils sont pas meilleurs et ils vont regretter de s'en être pris à nous.
Qui m'énerve. Putain de gamin. Ah d'ailleurs, les grandes portes comme ça, ça me rappelle que j'ai trouvé deux portes scellées. Je ne sais pas encore comment on les ouvre. Je ne sais pas si c'est à la fin du jeu en baladant, vous savez, sur le grand lac là. Attends, reviens ici, ok. Thor me reproche à moi ce que vous avez fait à Magni. Mon propre père m'a traité de lâche. Il a fait plus que ça, on dirait. Pousse-toi. On va finir ce qu'il a commencé. Je vais te tuer. Non. Il est vaincu. Nul besoin de le tuer. Il doit payer pour ce qu'il a dit sur ma mère. J'ai dit non. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est ce que j'ai dit à ta mère juste avant de la prendre. Oh putain. Atreus ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Il coupe bien mieux que celui de maman. Tu as tué contre ma volonté. Tu as perdu le contrôle. Tu m'as pas appris à tuer. Je n'ai fait que t'apprendre à survivre. Nous sommes des dieux, Atreus. Ça fait de nous des cibles. À compter de ce moment et pour toujours, tu seras marqué. Je t'ai appris à tuer, c'est vrai. Mais uniquement pour te défendre. Jamais pour le plaisir. Tout le monde s'en fichait de lui, de toute façon. Qu'est-ce que ça change ? Tuer un dieu est lourd de conséquences. Pourquoi ? Comment tu le sais ? Comment tu le sais ? Surveille tes paroles, Atreus. Peu importe. Ça va mal finir. Je sens qu'il va y avoir un truc là-dessus. Une rage à sa coupe de cheveux. C'est toujours plus froid que des reflets roux, n'est-ce pas? J'ai tellement envie de le rire. C'est insupportable ça. Insupportable. Allez go les loups. Ah là ils leur font pas masse de dégâts par contre. Attends, ils sont au niveau 4. Bon appétit. Stop rentrer dans la terre là. Where are you? Alors est-ce qu'ils craignent pas la foudre de base? Je sais pas. Attends, faut que j'emmène une pierre ici. Je l'avais pas déjà fait, je sais plus. Ouais, acide. Garde tes plaisanteries, Atreus. Le mec assume pas. Si nous a trouvé, Baldur ne doit pas être loin. Tant mieux, j'aurai quelques mots à lui dire. Mais... pas question, je m'occuperai de lui. Tu veux dire que tu vas le tuer? C'est le sort qu'on réserve à nos ennemis, non? Parce qu'il nous tuerait aussi. Je ne ferai que ce qui sera nécessaire. Et je t'aiderai. Non. Salut le crabe. On va pire mettre une nouvelle photo sur ton Facebook là. J'irai te stalker. Je m'occupe de ça. Attends. Mais wesh que... Mais... Mais ah... Il obéit plus. Wesh. Gamin de mort! Il fait plus ce que je lui demande!
Tire ta flèche, saloperie, là. À quoi il joue? Son compte est bon. Il tire plus les flèches quand je lui dis. Saleté, là. Bah, ou sur Twitter. Ah oui, cette salle. Il nous faut un autre moyen de monter. Ah, retourner au sommet. Putain, c'est un truc que j'avais pas trop aimé, la première ascension. Je sais pas si la deuxième va être plus intéressante. Let's play sur Batman, lequel? Parce que du coup, ouais, moi je fais pas de tuto, hein, c'est juste des let's play. Ah, là, il tire. D'accord. Je sais pas, des fois il se rebelle un peu. Tiens, regarde ce que je fais au loup, j'ai... Vous, c'était classe. Attends, on voit pas grand chose. Hein. Mais il tire pas, mais wesh! Garçon de mort! Ouais, il va se fight, il fait sa vie. Ok. JPP de lui, hein. Surtout que t'es habitué à ce qu'il réponde au Royal l'œil. Ah, tu me parles? Croyais que t'aimais pas mon ton. Oh putain. Oh my god, jamais de photo. Mais t'as cru que j'allais la partager avec des gens? Mais j'ai bien vu ta tête déjà sur Facebook, non? Sinon, comment j'aurais su que t'avais une barbiche à l'époque? Un nouvel ascenseur. Il dit où? D'accord, putain, il est tellement petit que je l'ai pas vu. What the fuck. Bon, ça va. J'apprendrai que si tu m'enseignes. Tu n'as pas besoin de mes leçons. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, et je voulais seulement la vérité. Où as-tu eu tes lames de feu? Pourquoi les cacher? Tu m'as dit que tuer un dieu n'était pas sans conséquence. T'en as tué un avec ses lames? Qui d'autre t'a tué avant Magni? Combien d'autres? Tu m'entends? Je t'entends, et je ne souhaite pas en parler. Ne me pousse pas à bout, Atreus. Bien. Ymir, bonne nouvelle. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai plus rien à apprendre. Ah, félicitations. Il a pas changé de voix lui aussi, là? Les anciens God of War, ouais, je les ai faits. Après, j'ai pas tout en tête, mais... Oui, oui. Mais il est en train d'être fasciné par la mort, là. C'est pas bien, monsieur. Petit caca, là. Voilà. Avant que ça dégénère. Voilà, tu lui mets un coup de pied au cul. Il fait une petite chute. Putain. Surtout qu'en plus, il est maudit. Ouais, je sais quoi, cette malédiction de mort, là. Là, il tire. Ah mince, il est trop loin. J'ai bien anticipé, dis donc. C'est pour ça que je demande de tirer. Tire sur les ennemis, pas à côté. C'est pas trop demandé. Alors, est-ce qu'il y avait un truc dans le coin, là? Toutou, à pas la manigne. Y'a que dalle. Il pourra aller là.
J'espère qu'il va bien me descendre la chaîne. Ouais. Attends. Faut aussi finir par là. Faut, je crois qu'il y a plusieurs, plusieurs passages. Là, on a des lames de Hell. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Chut. Qu'est-ce qu'ils ont? Alors c'est pour être accessible d'ailleurs, mais non, même pas. What? Bon, moi je sais pas. I don't know. Don't know. Mes frères, attention. Je vois les signes de l'activité récente d'un dragon sur les murs là-haut. On a déjà tué ce dragon. Ah oui? Bien. Et comment ça s'est passé? Aïe. Dire que j'avais des scrupules à les tuer. Pull à les tuer? Ouais, ouais, ouais. Bah tu devrais, garçon. Bah, attends, on va aller voir là-bas d'abord. Je sais pas. Parce que la map me dit plutôt d'aller... là où j'étais il y a 2 secondes. God of War est moins gore, si, il y a moins de... C'est moins épique aussi, au niveau des boss, etc. Mais le jeu a d'autres qualités plus intéressantes sur la longueur, on va dire. Donc l'idéal, ce serait ouais, de retrouver un peu plus de scènes un peu plus gore, des boss un peu plus intéressants. Même les kills, hein, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un par race de perso, enfin d'ennemis. C'est très très peu. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit « Ne pas réveiller ». Mais sur les autres plans, il est tellement plus intéressant. On a tué des tas de choses dans cette montagne. À qui le tour maintenant? Le mec est rouge. Un plus la glace ou... Ah, what? Le mec me crache dessus. Ouais, d'accord. J'ai pas le temps de faire ce que je veux, j'ai pépé. Tu te calmes, Jean-Maurice. Mais go le tuer directement, ça sert à lui monter dessus. Là. Ah si. Salut Léa, salut Ayodos. Welcome. Bah, je suis en live tous les soirs en théorie, hein, donc... il y a trop de chances que demain il y ait la suite de God of War. Sinon, bah, à la prochaine. Le crabe. Non, je voulais revenir sur... Bon, d'accord. Je voulais revenir sur l'autre, mais il est RT. Attends, j'ai pas essayé l'esquive arrière. Monsieur. Ok. Le mec tape avec son arc. Mais go le verrouiller, wesh. De quoi là? D'exister, de vivre? Sur Twitch, non, 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 ouais. J'ai essayé pendant 5 jours. Les 2 premiers jours, j'étais entre 15 et 10. Et le 5e jour, 3. Dont 3 modos. C'était légendaire. Alors attends. J'aurais. Faut que je trouve un moyen pour le faire monter. But how? How, how, how? Parce qu'il n'y a pas... Il n'y a que dalle, là. Je voulais prendre pendant que c'était blanc, je me suis failli, là.
Interminable jeu. Mais oui, il est très très long par rapport aux anciens. Les anciens que tu peux torcher en quelques heures, là, c'est pas possible. Par contre... Ouais, 32 XP, ouais, super. Grosse utilité. J'ai pas de visu sur la pierre. Parce qu'en 10 secondes, j'aurais pas le temps de monter. Clairement. Clairement. Attends, du coup, on va aller voir de l'autre côté. Arrête de dire comme tu veux là. Bon, il a lu son truc, j'ai rien entendu. Ouais, je sais pas trop vers où je dois aller. Ça se trouve, la porte de là-bas, c'était juste un bonus. Le mec a bugué. Non, il bouge encore. Comment je fais pour remonter? En 10 secondes, ce n'est pas possible. Non. Il manque quelque chose. À moins qu'il y ait une boule juste en haut, mais je crois pas. Cette porte m'interpelle. Parce que j'ai pas le temps de monter. Je vois pas d'ouverture directement vers ce que je cherche. Bon bah tant pis, hein, écoutez, au pire je reviendrai plus tard. À moins qu'il y ait une station de ce côté, mais je crois pas non plus. Hein. I don't know. Donc je me tire. Bah la rage là ça sert à rien. Faut qu'il y ait des ennemis, je vais pas mettre sans rage tout de suite. Allez, calme-toi. Il attaque directement le golem, enfin le... Mais il va même le réveiller. Gnignigni. Utilité. Je sais même pas si le gamin peut faire des dégâts en vrai. Oh, B2. Goldstone. Wesh, ça a pété, wesh, c'est quoi cette arnaque? Je crois que c'est plus rentable de faire ça que de faire le QTE, hein, really. Le QTE, tu fais quasiment pas mal. Non, on l'a quasiment achevé. Ah, je suis ralenti, saligo. C'est bon, on l'a eu. Le mec me gèle. Oh, ça devient pénible de call, oh, qu'est-ce qu'il a? Résistance aux givres, ok. Tribbing. Ouais, d'accord. Là, il me faudrait un truc à faire péter, du genre ça. Lâcher, merci. Donc on peut monter éventuellement. On peut aussi récupérer ça éventuellement. Un petit peu d'arigène. D'accord, il y a tout plein de trucs. Pourquoi le combat contre le golem était censé durer 45 ans ou comment ça se passe? Il y a d'autres ennemis?
Ouais, il va y avoir d'autres ennemis là, je pense. Hop. Ouais, d'accord, yo, ça. La crédibilité. Un nom, et bah c'est pas yo, ça. Attends, il y a des clignotements des fois en hauteur, what the fuck. Je sais pas si c'est des bouts de roche qui disparaissent. Ça chaleur. Un orage acide. Bon, je suis fan de ta barbiche, mais tu vas pas me la montrer, hein, donc RT. Alors. Armure. On va quand même changer. Hein. Il est temps. Et hop, on la uppera. Elle est plus rare, donc normalement une fois up, elle sera plus efficace. Selon toute vraisemblance. Comme tu veux, exaspère un peu. À la vôtre, 4 sur 6. Ok, on n'a pas encore tout trouvé. Bon, t'as fini de lire ton truc, là. Mais même avant, je me rappelle qu'on est arrivé dans cette grotte. En plus, ouais, il y avait une belle scène, hein, où il allume une espèce de lampiote, là, qui s'envole avec la flamme. C'était assez poétique, assez joli, il était assez émerveillé, et là, il est en mode caca de l'infini, là. Épaulière. Ah, qu'on va peut-être changer aussi. Bon, par contre, on perd vachement en runes. Mais on va toujours pas ces TT. Allô, le jeu. Montre-moi tes TT. Le mec abuse. Allez hop. Ah. Le forgeron, ça tombe bien. J'espère juste que je peux bien la up, là. Et du coup, il dit plus rien. Hein. J'ai envie de le requisquer. Améliorer l'arc. Il est où l'arc? Mais qu'est-ce que... Le carco il est à fond aussi. Je vois même plus, mais qu'est-ce que... D'accord, on va dire que c'est la fatigue. Améliorer au max, ok. Améliorer au max, c'est avec deux emplacements. Ouais. Torse. Je veux une armure, on voit ses tétés, bordel. C'est des caca. Ils font des ressources, bon, on verra plus tard. Je vais juste équiper les runes quand même. Ah, défense, ouais. On a des petits boosts de stats. Hop, hop.
Tac, voilà. Où est la cœur acide, mais qu'est-ce que... Disons que ça dépend des circonstances. Tiens. Nous voilà au sommet. Quel level t'es, gars? Pas trop pété, j'espère. Attaque-moi vite. Je dirai rien. Bah, il est clairement pas tout seul, hein, vu comme on l'a réécrit. C'est bien ce qui me semble. Easy peasy. Ok, encore une poussière de Rhyorm. On a fait la moitié. Ah, 2 sur 4. D'accord, ça remplit une quête. Très bien. 32 XP, mais waouh! Incredible! I can't believe this. It's wonderful. Bonsoir pour Olulu. Oui! Un putain de gamin tête à claque. Insupportable. Je suis choqué. J'en ai parlé tout le long, hein, le JPP. Arrêtez, vous deux. Ce silence commence à être pesant. T'inquiète pas pour ça, on se concentre. My god. J'expliquais aussi, tu sais, le coup de... des lampiotes, là. Enfin, la lampiote qui l'allume. Quand tu arrives la première fois, genre, il est émerveillé et tout. Et là, tout le trajet, là, c'est un... putain de tête à claque. Bon, du coup, nous y voilà bientôt. Je sais pas si quelqu'un nous attend là-haut. Bon, si on va pouvoir passer direct. This is suspense. Nous y sommes presque. Enfin. De toute façon, on va juste... ouvrir et j'arrête. La rune. Je sais pas. Mais le fait direct. Non, faut que je lui dise de le faire.